Journal d'Ange Callo numéro 24, on est le lundi 15 juillet 2024 et il est 11h28. À peu près, je sais pas si mon téléphone est à jour ou pas. Mais qu'il n'y a pas d'internet. Bref. Petit journal d'Ange Callo, le dernier remonte il y a un an. Voilà, parce que je me suis dit, je vais quand même aller voir le numéro du dernier. Je me suis dit, j'en ai peut-être fait un stand et tout. Et non, le dernier date d'il y a un an et on va évoquer les mêmes choses. Donc voilà, des petites vacances, Japan Expo 2024. Et voilà, parler un peu de moi, un peu de la chaîne, tout cela. Même si je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, parce que voilà, la chaîne fête cette année ses 10 ans. Et vous avez un gros live qui a été fait début juin 2024. Et je revenais, voilà, une rétrospective sur les 10 ans. J'ai fait une petite vidéo pour parler de la collection Resident Evil. Voilà, j'ai fait des petites vidéos par-ci par-là. Là, dernièrement, une vidéo aussi qui est un peu spéciale pour les 10 ans où j'ai invité Denat pour venir parler de Resident Evil 1.5. Voilà, ça sera en deux vidéos. La première, on est surtout sur son projet, voilà, les projets fan-made de restauration d'1.5. Et il y aura une autre vidéo qui devrait arriver prochainement avec lui et l'ami Wiper pour les archives Resident Evil Biohazard de la chaîne secondaire où on reviendra surtout sur où ils reviendront. Moi je serai là en tant que hôte pour évoquer, voilà, discuter autour du développement de Resident Evil 1.5. Mais bref, concernant, voilà, tout ce qui est à revenir dernièrement, bon, déjà cette vidéo là que je suis très content qui est sortie il y a quelques jours et que j'espère, voilà, que vous plaît. Pour le moment il n'y a pas eu de commentaires ou tout ça, j'en ai eu en privé de notamment Wiper, voilà, qui est revenu sur 2-3 trucs, voilà, de surtout du positif, bien évidemment. Je crois même uniquement du positif. mais voilà, concernant sous la vidéo, il n'y a pas eu de commentaires en question. Voilà, je peux pas revenir dessus parce que j'ai pas eu de gros retours aussi, tout ça. Mais voilà, c'est comme je l'ai dit, pour l'année des 10 ans, j'essayais d'avoir des petites idées de contenu un peu spécial, tout ça. Et c'était le 1.5, je ne l'ai jamais évoqué. Vu que je suis pas un gros joueur, tout ça, et encore moins joueur PC, actuellement, je n'ai pas de moyen de, voilà, de m'essayer sur la 1.5. Donc je me suis dit, voilà, une petite vidéo où quelqu'un puisse venir en parler, ça peut être faire un petit sujet sympa pour les 10 ans de la chaîne. Donc voilà, pour le pourquoi du comment, il y a eu cette petite vidéo là, cette idée de vidéo là, et qu'il y en aura une prochaine qui sera elle par contre pour les archives bio, avec un truc beaucoup plus officiel, vu qu'on reviendra surtout sur le développement. Voilà, mais ça, voilà, on en reparlera mieux quand ça sortira, parce que pour le moment on l'a juste planifié dans nos têtes, il n'y a pas encore de date actée pour enregistrer. Et comme je vous l'évoquais au cours de cette vidéo là, il va y avoir beaucoup de changements prochainement. J'en ai déjà parlé dans la vidéo des 10 ans, si j'ai pas de bêtises, mais là voilà, il y aura des changements prochainement, mais on en reviendra après. Chaque chose en son temps, monsieur Ange Callo, n'allons pas trop vite. Pour commencer, donc l'année dernière, du coup, dans le dernier journal d'Ange Callo, le numéro 23, je vous disais, voilà, que de base, je suis quelqu'un de très casanier, très qui reste chez lui et qui ne prend pas de vacances. Donc voilà, j'ai tenté l'expérience l'année dernière, j'ai plutôt bien aimé, voilà, aller visiter l'ouest de la France, surtout du côté de Nantes, Saumur, tout ça. Et puis ensuite, voilà, petit passage à la Japan Expo, vu que j'ai fait 2-3 conventions par-ci par-là autour de chez moi. Je voulais tenter une grosse convention avec la Japan Expo et l'année dernière c'était ultra bien passé. J'ai pu faire, voilà, participer au rassemblement RE avec des cosplayers, tout ça, où j'avais pu rencontrer notamment mon petit Roddy, voilà, quelqu'un d'adorable, très gentil. Très dégoûté de ne pas l'avoir pu croiser cette année, voilà, j'en reviendrai dessus sur tout ça. Voilà, j'ai pu rencontrer 2-3 personnes par-ci par-là l'année dernière, dont certains que j'ai pu rencontrer encore cette année, et certains qui participent même à des projets. Voilà. du coup, pour l'ordre, on s'était dit, voilà, qu'on ferait, c'est lui qui avait proposé, vu qu'il a passé le permis entre temps et tout, il décidait, bah écoute, de base on était censé partir à 4, donc mon frère, 2 amis et moi, et on s'est retrouvé au final à 3. Donc du coup, voilà, on a dû une semaine avant essayer de retrouver des Airbnb pour essayer, voilà, de réagencer un peu nos tarifs et tout, parce que de base on avait tout fait pour prendre des Airbnb et diviser par 4, et là on devait diviser par 4 par 3 les tarifs, sachant que voilà, je l'ai jamais caché, je suis pas quelqu'un avec des gros moyens. Donc voilà, devoir payer en plus une part, une quatrième part qu'on aurait dû se diviser par 3 en plus, ça a été encore plus compliqué que ce que j'ai actuellement. Là actuellement, voilà, on a fait un peu les comptes, je lui dois pour le total du voyage 200 boules, voilà, 200 euros, donc je m'arrangerai avec lui, bien évidemment, ça c'est des trucs qui restent en privé, mais voilà, je m'arrangerai avec lui pour répartir la somme, tout ça, parce que actuellement, et avec les changements qui vont arriver, je sais pas, pas sûr de pouvoir vraiment tout cela. Là, avec tous les trucs que j'ai reçus dernièrement, je me suis foutu dans la merde. Je vais pas vous mentir, voilà, comme je dis, j'ai rien à cacher. Je me suis foutu un peu dans la merde, mais
normalement, voilà, ça devrait se calmer maintenant. Je n'ai plus de trucs qui devraient arriver du Japon, tout ça. Donc voilà, je vais pouvoir souffler niveau frais de douane. C'est vraiment les frais de douane qui m'ont vraiment mis dans la merde. Voilà, je vais pas vous le cacher, ce sont les frais de douane qui m'ont vraiment mis dans la merde. Des prix que je n'aurais jamais imaginé devoir mettre en plus à certains produits. Bref, du coup, concernant les vacances, voilà, donc on s'est dit, bah pourquoi pas aller dans le nord, voilà, vu qu'on, quand on était petit, voilà, notre famille nous emmenait surtout du côté les Sainte-Marie-de-la-Mer, tout ça, dans le sud. On avait fait un peu Lyon, la Haute-Savoie, on a de la famille, donc voilà, on a déjà parti par là-bas quand on était gamin également. L'année dernière, on a fait une partie de l'ouest, un peu nord-ouest, j'ai envie de dire, avec bah, notre cousin Alan Itsumade. Et là il s'est dit bah pourquoi pas monter dans le nord. Donc monter dans le nord pour plusieurs choses. Donc déjà voilà bah visiter une partie de la France qu'on n'a pas encore fait, donc le nord. Aller faire un petit tour en Belgique. Et également bah moi j'ai vu l'opportunité pour aller voir bah du coup mon petit Wiper, mon petit Bay, parce que voilà, il était venu en 2022 et je lui ai dit le jour où j'ai la possibilité de monter dans le nord, je viens. Je viens passer une journée avec toi. Voilà, pour montrer que le passage, le voyage ne s'est pas fait que dans un sens, il s'est fait également dans l'autre. Voilà, donc je me suis dit le jour où j'ai la possibilité de pouvoir monter dans le nord, que j'ai les moyens de pouvoir monter dans le nord, je monterai et je viendrai te voir. Voilà, pour t'emporter, te rendre l'appareil et découvrir un peu aussi bah voilà ton environnement à toi, vu que t'as pu découvrir mon univers, découvrir également le tien. Donc voilà, donc ça tout ça c'est planifié entre temps, moi j'en ai parlé avec Wiper tout ça, Exedra du coup, l'ami Exedra a pu également se joindre à la petite fête. Je vous mettrai peut-être une photo quand j'en j'y évoquerai, je sais pas, quand on a fait une petite photo tous les trois, bon. On a fait plusieurs photos. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Voilà, ils arrêtaient pas de faire les pitres, c'est terrible d'être comme ça. Hein. Putain, ils arrivent pas à être sérieux. Hein. C'est. Voilà, c'est. Mais bref, du coup dans l'ordre, on s'est planifié du coup notre petit voyage pour partir du mercredi 10 juillet et revenir dans la journée du dimanche 14 juillet. Voilà, on s'est planifié ça. On s'est dit le jeudi, le mercredi, on monte doucement, on visite quelques villes par-ci par-là. Le jeudi, bah, ils me posaient chez Wiper et eux, ils allaient faire des petits tours pour visiter d'autres villes dans le nord. Le vendredi, on allait en Belgique. Le samedi, on allait à la Japan Expo. Et dimanche, on rentrait à Pépouze. Donc pour décarcasser un peu tout ça, donc le mercredi on s'est levé à 4h30, on est parti directement, donc 4h30, 5h, il y avait une grosse pluie, super, oui, ça je vais pas vous le cacher, on s'est tapé les pires jours je pense que pour voyager, parce qu'il a fait quasiment que pleuvoir, surtout le vendredi où on est parti en Belgique, il faisait que pleuvoir, donc c'était une horreur, pour se promener et tout, bah, on était sous la flotte. Après moi personnellement, bah, la flotte me dérange pas, mais... J'avoue que un léger soleil, un petit 15-20 degrés aurait été mieux qu'un truc où t'es obligé de porter une veste et de couvrir les objets que t'achètes ou machin comme ça, bref. Donc du coup on est parti voilà de chez mon père, j'avais été dormir chez eux quelques jours avant pour pouvoir être sûr que, voilà, que je suis sur place, qu'on se fasse pas chier, puis qu'on prenne directement l'autoroute la plus proche. On est monté, on a fait 2-3 arrêts sur les autoroutes pour faire nos pauses pipi et tout ça, parce qu'on est deux petites vessies. Et on s'est arrêté de mémoire dans la première ville, c'était Troyes. T-R-O-Y-E-S, Troyes, moi, nous on dit Troyes, mais je sais pas si ça se prononce vraiment Troyes. Donc alors on s'est arrêté à Troyes, on a fait que le petit, on a fait la visite de la ville, on a acheté des petites pièces, voilà, dans chaque ville qu'on a fait, des grosses villes où on a fait, où ils vendaient les petites pièces de collection, monnaie de Paris, tout ça, avec un lieu emblématique, on y a acheté, certaines même on en a pris plusieurs, je sais qu'à Troyes par exemple on a fait bah, l'office de tourisme où il y avait la petite pièce, mais on a également été après je crois à la cathédrale, si c'est peut-être à Reims, je sais plus, bref. Voilà, quand je vous dis que ma mémoire est courte, on est 3 jours après, j'ai déjà oublié. Et à 3, du coup, on s'est promené dans la ville, on a fait certains petits magasins, et ensuite on est parti faire l'espèce de gros truc commercial qui est un peu à la sortie de 3. Je crois que c'est la sortie de 3 de mémoire, et il y a plein de ce qu'ils appellent des outlets. Où il y a plein de petits magasins de vêtements, de chaussures, tout ça, et qui sont les stocks de l'année dernière que du coup bah là brade un peu et voilà le neuf tout ça qui brade un peu donc voilà on a fait ça mon frère voilà, parce que lui il adorait faire des magasins de chaussures, magasins de vêtements, moi je sais pas du tout ça, moi j'ai une paire de chaussures, elle me va très bien, lui et sa copine ils étaient beaucoup dans l'achat de vêtements et de chaussures.
Voilà, chacun de nos préoccupations, hein, personnellement, je ne le juge pas parce que moi je préfère mettre de l'argent dans les conneries, comme certains pourraient dire, qui se trouvent derrière moi. Lui dans des vêtements, voilà, dans l'apparence physique, et d'autres dans de la bouffe, voilà, d'autres dans des voitures, dans des machins, voilà. Chacun met de l'argent qu'il gagne dans ce qu'il a envie, aucun jugement. Voilà, c'est, on a chacun notre passion, chacun nos préférences dans ce qu'on veut investir de l'argent. Et voilà, donc, c'est pour ça, je suis pas médisant de ce côté-là, au contraire, voilà, s'il préfère s'acheter ses petites paires de chaussures, sa petite tête par apparence physique, tant mieux. Moi c'est absolument l'inverse. Moi je crois que moins j'achète de vêtements, mieux je me porte. D'où le fait que j'ai des vêtements qui datent d'il y a 10 ans. J'ai mes jeans encore un peu craqués entre les jambes, comme ça. Donc, tant que ça se porte, tant que c'est pas craqué, donc c'est pas gênant. Je vois pas pourquoi j'y changerai. Voilà, je vis simplement. Je suis très j'aime Capcom, hein. Capcom aime le recyclage, moi je recycle, hein. Voilà, bref, c'était le petit instant un peu amusement. Loul. Du coup, on a fait ça, et après, on est parti du côté de Reims, parce que du coup, on avait 6-7 heures de route, et on s'est dit, au lieu de faire d'une traite, autant s'arrêter à des petites villes par-ci, par-là, pour, voilà, se promener, visiter, découvrir un peu des lieux, trucs comme ça. Je sais que mon frère, lui, a beaucoup aimé Troyes. Notamment, voilà, avec tous ces magasins, tous les outlets qui sont à l'extérieur et tout, il a beaucoup aimé Troyes. Ensuite, on est parti du côté de Reims, R-E-I-M-S, et c'est ça, c'est Reims, oui. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a perturbé en disant Amiens, ou Amiens. Bref, donc Reims. Bref, Reims, du coup, on s'est arrêté pour aller voir surtout la cathédrale. Ouais, la cathédrale, et je crois pas qu'on y a fait d'autres choses. On s'est surtout arrêté pour voir la cathédrale, marcher un peu dans les rues, et après, je crois qu'on est reparti direct. Et après, on s'est arrêté du côté, voilà, si vous êtes du nord, on a pris des Airbnb du côté de Caudry, Caudry-Bétancourt, voilà, on était du côté de là-bas, pour se prendre des petits Airbnb, pas ouf. voilà, pour vous raconter un peu l'histoire, le premier Airbnb qu'on a pris s'appelle La Cabane. Voilà, La Cabane, et c'était spécial. C'était sympa en vrai, c'était très sympa, les deux étaient cool. On rentre dans... Il fait un petit chemin pour qu'on puisse rentrer exprès par une entrée spéciale. En gros, c'est une armoire, voilà, et en gros, il a rénover l'étage d'une grange, et en gros, il faut m'en prendre un petit escalier de misère où les marches sont épaisses comme ça, donc faut monter vraiment sur la pointe des pieds ou limite sur les pieds sur le côté pour pas glisser. Et en gros, dès qu'on arrive à l'étage de la grange, on a une espèce d'armoire, et en ouvrant l'armoire, on a la porte qui mène directement dans le Airbnb, qui s'appelle du coup La Cabane. C'est pour ça qu'il l'appelle La Cabane, parce que c'est en hauteur. Et c'est un vieux truc rustique en bois, un vieux lit en bois, très peu espacé, il y a vraiment peu d'espace. En lit, voilà, il y avait un double lit dans un coin, il y avait un meuble qu'on pouvait retourner et faire tomber un lit qui était caché derrière. Et à l'étage, il fallait prendre encore une fois un petit escalier avec des toutes petites marches de misère, et passer entre deux poutres. Voilà, c'était sous le toit, donc on avait à genoux, j'étais limite, moi déjà en hauteur. Et en gros, fallait passer déjà entre deux poutres. Donc étant le plus fin des trois, c'est moi qui a dû aller dormir là-haut. Ça va, j'ai pas eu trop peur de mon côté un peu claustrophobe là-haut. Ça va, il y avait assez d'espace quand même pour pouvoir me sentir bien. Sinon, pour dormir, en vrai, c'était pas mal. Mais le seul truc chiant, c'était le passage. Parce qu'entre l'escalier, avec des petites marches qui grincent, et ensuite l'étage, une fois que tu arrives à la dernière marche, faut que tu te mettes directement à quatre pattes pour pouvoir passer sous la poutre. Y aller directement sur le matelas, c'était pas top, je vais pas vous mentir. Comme je vous dis, j'ai une vessie assez petite en général, surtout la nuit j'aime bien aller aux toilettes, et là j'ai tout fait pour me retenir autant que je pouvais, parce que je me suis dit, si je descends, déjà je vais me cogner dans la poutre, c'est quasi sûr, hein, je suis un peu Pierre Richard. Ensuite, descendre les petites marches qui sont avec des petites marches et qui grince, j'allais réveiller tout le monde, le sol grinçait et la porte grinçait. Voilà, je pense que le nord, il va falloir investir un peu dans le WD-40 parce que vous aimez tout ce qui grince. Après voilà, je rigole, mais voilà, c'est tous les trucs en bois, les planchers, tout ça. Moi-même, j'ai dans mon appartement actuel un plancher qui grince au niveau de la salle de bain, donc voilà, je sais ce que c'est, mais là vraiment il y a tout qui grinçait, c'était une horreur. Donc voilà, concernant ce que je voulais revenir vite fait sur ce Airbnb là qui s'appelait La Cabane, où on a dormi deux nuits, donc la nuit du mercredi au jeudi et la nuit du jeudi au vendredi. Voilà, donc on y a dormi. Le lendemain, on s'est réveillé vers
7h30, 8h, je crois. On a pris la route directement pour aller du côté de chez l'ami Wiper. Voilà, on s'était planifié de se retrouver le jeudi 11. Exedra de ce côté devait prendre un train et tout pour nous rejoindre. Du coup, il a rejoint Wiper en premier, puis moi après, j'ai rejoint directement chez Wiper. Et on a passé la journée ensemble, c'est très cool, franchement. De revoir Wiper IRL, c'était vraiment très cool, très plaisant. Ça fait depuis 2022 voilà, qu'on s'était pas vu, donc ça fait 2 ans. Donc ça fait 4 ans qu'on se connaît. Au bout de 2 ans, c'est lui qui est venu me voir, et 2 ans après, c'est moi qui suis venu le voir. Voilà, sur 4 ans, on sera vu 2 fois IRL, c'est quand même beaucoup. Hein. Certains ont des relations où ils peuvent se voir beaucoup moins, donc je suis quand même très content de ce côté-là. J'ai pu le revoir, j'ai pu faire la rencontre des gens de sa famille également. Et la rencontre, enfin, avec Exedra également. Voilà, mon petit Exedra également, que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, qui a pu venir. Donc on a pu se retrouver tous les trois, c'était très cool. J'ai beaucoup retrouvé notre petite complicité qu'on a beaucoup sur Internet, mais là, IRL. Je suis pas non plus... il y a beaucoup de trucs où on avait chacun nos délires, machin comme ça. Mais bon, après, voilà, c'est le côté où... quand beaucoup le disent, mais quand on est trois... il y a souvent des trucs où on se retrouve à deux d'un côté et un qui suit ou un à l'avant ou comme ça, et ça voilà, ça s'est ressenti parfois, mais en vrai on a assez bien tourné, moi personnellement quand je voyais que par exemple Exedra était à la pointe arrière derrière nous, parce que voilà les trottoirs étaient étroits donc on pouvait être que deux, un côte à côte et un derrière, quand je vois que c'était Exedra derrière, je me retourne assez souvent pour voir qui nous suivait bien, lui lancer une petite vanne par-ci par-là, pour l'inclure quand même avec nous et pas qu'il se sente un peu à l'arrière seul, parce que voilà je sais ce que ça fait de se retrouver à le troisième dans un groupe de deux, donc c'est pour ça que j'essayais de faire en sorte que soit lui ou soit si par exemple je parlais avec Exedra, dessiner avec le Wiper avec moi, avec nous, parce que comme ça voilà ça permettrait qu'on se sente vraiment à trois. J'ai essayé de faire du mieux que je peux, donc au cas où si un de vous deux vous avez senti un peu exclu à certains moments, je m'en excuse. moi j'essaie de faire le mieux pour que voilà il y a aucun de vous deux qui se ressente à l'écart comparé aux deux autres, parce que voilà c'est les lois, les lois de l'humain, quand on est trois il y en a toujours un qui se fait foutre un peu à l'écart. Nous on a, je trouve quand même qu'on a assez bien tourné, voilà, on a essayé de discuter tout, notamment quand on a fait du Deadly Silence sur DS, on s'est fait tourner les DS entre nous, vu qu'on en avait que on a une cartouche qui ne fonctionnait pas, donc voilà, on a dû jouer avec deux cartouches, on a pu tourner comme ça, donc c'était très cool. Et du coup voilà, j'ai pu tester également le multicart sur Deadly Silence avec du coup Wiper et Exedra. Ce qui me fait chier, c'est que moi j'avais oublié la mienne, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé qu'avec deux cartouches. C'est que moi j'ai oublié la mienne, et Exedra, la sienne, était une version américaine, donc il ne se lançait pas sur sa DS et ni sur les autres DS. On a tenté sur toutes les DS qu'on avait, on en avait 4 au total. La cartouche ne se lançait pas, donc on a pu, de base on devait jouer à 3, mais on a joué à 2. Mais c'était quand même très cool, voilà, de pouvoir faire du Deadly Silence tout ça ensemble. Franchement on a vachement rigolé, c'était très cool, ouais, ces journées-là. Wiper nous avait fait visiter sa ville et tout, nous a parlé de machin, nous avait visité des petits lieux, des trucs comme ça, nous a montré un peu où il a grandi, sa scolarité, tout ça. C'était vraiment très cool d'en apprendre un peu plus sur lui, tout ça. Chose que personnellement, j'ai pas pu faire par exemple avec lui, parce que moi, la ville où j'habite là, j'y habite que depuis 5 ans. Donc quand il est venu, j'ai pas pu lui visiter, lui dire bah tiens, c'est mon collège, mon lycée ou machin comme ça, parce que. Voilà. Mais. Voilà, normalement, s'il revient un jour et que je déménage dans la ville où je suis censé aller, c'est la ville où j'ai fait mon lycée, et à 10 km, et notamment il y a un bus qui y va, il y a la ville où j'ai fait tout mon collège notamment. Et Pierre, si un jour il revient, je pourrais lui faire visiter ces lieux-là, la ville où j'ai grandi de toute mon adolescence, et puis du coup là où j'ai fait mon lycée, voilà, je pourrais lui faire visiter à lui par exemple, ou même Exedra, si un jour voilà, il est tenté de traverser toute la France pour revenir directement dans mon univers à moi, avec grand plaisir. Voilà, tu passes par là, on escalait ça un jour si t'as les moyens ou truc comme ça, ou si il y a possibilité de t'aider, je sais pas, bref, voilà. On verra ça, un jour ça se fait, mais voilà, sur l'instant présent du jeudi 11 juillet, j'ai vraiment été très content de ce journée-là, voilà, je suis très content d'avoir pu revoir mon petit babe, d'avoir pu rencontrer Exedra en vrai et tout, et d'avoir pu passer une journée avec eux, franchement, voilà, je pense que c'est ma meilleure journée des 4 jours qu'on est parti. Je pense que c'est ma meilleure journée.
Parce que là, le mercredi, c'était surtout voilà, le voyage, la route et tout, c'était chiant. Donc voilà, j'ai pas changé, j'aime toujours pas la route, les longs trajets. Les magasins, voilà, j'aime bien me promener dans les magasins, tout ça, mais c'est pas non plus un truc voilà, que je suis fan non plus. Et le jeudi, voilà, je vais revenir sur les deux autres jours après, tout ça, mais le jeudi pour moi, voilà, c'est ma meilleure journée, c'est vraiment celle que j'attendais le plus, celle où vraiment je faisais mon petit décompte avec Wiper et tout, je disais, putain, dans 2 semaines on se voit, putain, dans 10 jours on se voit, dans 1 semaine on se voit. Dans 4 jours on se voit. Voilà, je faisais mon petit décompte parce que c'est vraiment la journée que j'attendais le plus de ces 4 jours qu'on partait. Voilà, c'était vraiment ma petite journée que je voulais faire, que j'attendais de faire et que j'étais impatient de faire. La journée du 11 juillet 2024. Bon, qui s'est terminée. Non, oui, non, c'est la veille qu'on a bouffé pizza qui était dégueulasse. Donc non, c'est bon, même terminé. Voilà, on s'est terminé par un petit Burger King avec Exedra parce que on est arrivé un peu en retard pour son train. Donc en attendant qu'il chope le prochain, on s'est fait un petit Burger King tous les quatre. Mon frère, son ami Exedra et moi. Voilà, on s'est fait un petit Burger King et tout du côté de Lille. Voilà, comme ça, on était bien Tintin pour paraphraser Carl Quinten. Ensuite, le lendemain, on s'est réveillé à 7-8 heures aussi, je crois, ouais, à peu près dans ces eaux-là, et on a pris directement la route pour partir en Belgique, voilà, la petite Belgique, parce que on voulait visiter un peu la Belgique, mon frère voulait tester des friteries, voilà, les frites belges, donc on est parti en Belgique, le lendemain, on a pris la grande autoroute, tout ça, on s'est senti un peu con quand d'un coup on a passé l'autoroute et qu'on a vu que le GPS ne captait plus parce qu'il captait grâce au téléphone de mon frère d'internet et que d'un coup on s'est retrouvé sans internet, sans réseau, sans rien, c'est fait. On n'avait pas pensé à ce détail-là. Donc ça va que du coup on a pensé au fait que voilà on avait dans nos abonnements à internet et tout, voilà, certains gigas concernant l'Europe et du coup on a été activer ça. Sinon, ça serait retrouvé très con et perdu. Si on a même fait la blague en mode, bah du coup, on va devoir aller chercher une carte en format papier. On s'est dit, on va aller chercher une carte en format papier parce que bah si on n'a pas internet, on peut pas se diriger. Parce que le GPS de mon frère qui est là, il ne fonctionne que grâce à son téléphone et via internet du coup. Parce qu'il a changé, voilà, le GPS de sa C4. De base, il se faisait tout par voilà, géolocalisation de la voiture, tout ça. Maintenant, c'est grâce à internet. Voilà. Quand je le dis qu'internet, les gens ils sont pas prêts pour tout ce qu'ils veulent faire avec les papiers, les machins comme ça. Quand je vois qu'il y a des villes, notamment la ville où on avait notre Airbnb de la cabane, ça captait pas internet. Voilà, dans les rues, ça marquait qu'on était en 4G mais ça tournait dans le vide. Donc je me dis que quand je vois que Macron, le gouvernement, tout ça, ils veulent faire des trucs comme quoi nos papiers soient uniquement dématérialisés internet. Je suis pas du tout fan, vraiment pas du tout. Mettez stable des connexions internet de partout à 100% de la France et parce que là quand même le petit patelin de Bettencourt était à 2-3 minutes de Caudry et ne captait pas internet. Voilà, donc j'ai envie de dire au bout d'un moment, voilà, avant de vouloir avoir des idées, tout ça, de voir votre petit Paris où internet je pense capte très bien, essayez de voir le reste de la France où il y a des patelins qui ne captent pas du tout. Ils t'affichent 4G mais tu captes pas, et à ce moment-là, bah du coup, si t'as besoin de tes papiers, ta carte d'identité ou machin comme ça, bah tu l'as dans le cululu. Parce que bah t'as pas internet. Voilà, donc passez à ça, jeunes gens, avant de vouloir de tout lier à internet, de penser au fait que ça ne capte pas partout. Bref, du coup voilà, le côté Belgique, on a été, bah du coup comme je vous le disais, le temps n'était pas du tout avec nous ici, il a fait que pleuvoir, donc on a été voir vite fait le gros atome, j'ai plus le nom, voilà, c'était l'ami qui était avec nous, donc Mimo, qui lui du coup voulait voir ça, il s'est dit bah voilà, on passe en Belgique, c'est un truc très cool, la science, voilà, mes couilles dans l'eau, ça fait un radeau, donc voilà, il a plus voulu aller voir ça, donc on s'est arrêté à ça, et ensuite on est parti en direction de Bruxelles. Ouais. On a été d'accord tous les trois pour se dire que c'est une des pires villes qu'on a faites. Pourtant, on a déjà eu par exemple Saint-Etienne, tout ça. On a même été, je crois, à Lyon. Mon frère était à Lyon pour la Part-Dieu, tout ça. Et on s'est dit c'est une des pires villes qu'on a faites. Bruxelles, une horreur. Entre les gens qui se jettent sur la route pour traverser. Voilà, il y en a plusieurs qui ont failli se finir sur notre capot. Alors qu'on roulait voilà, à 50, tout ça. Ils étaient des foules, il y avait des gens partout, il y avait des gens vraiment partout et tout, des oh quelle horreur la rue, à un moment on cherchait un parking souterrain, déjà les prix voilà, c'est une grande ville, on pouvait s'y attendre, voilà les prix des parkings étaient vraiment élevés.
Et quand on est sorti du parking souterrain, voilà, à pied, qu'on a voulu faire une rue, il y avait des gens partout, même qu'il pleuvait. On s'est dit, non, mais c'est une horreur. On s'est dit, vraiment, quand il fait beau, ça va être une horreur encore plus. Parce que là, le fait qu'il pleuve, déjà, de base, quand il pleut, les gens n'osent pas sortir. Mais là, même qu'il pleuvait, il y avait des gens de partout. C'était bondé, il y avait des travaux de partout. Vraiment, c'était une horreur. Vraiment, Bruxelles, vraiment, c'est la pire ville qu'on a pu faire. C'était vraiment une horreur. Bah, désolé ceux qui habitent Bruxelles, tout ça, ceux qui vous êtes contre ça, bah écoutez, bah, soyez contre, mais nous ça changera pas notre avis que c'est la pire ville qu'on ait faite de Bruxelles. L'année dernière, voilà, avec notre cousin, on avait traversé Paris vite fait, mais en vrai ça avait été, voilà, on a juste traversé vite fait en voiture, ça avait été, mais là Bruxelles, on a quasiment pas sorti de la voiture du coup, parce qu'on s'est dit déjà où les garer. Voilà, les parkings et tout, c'est pas vraiment indiqué, on voit des P bleus, puis dès qu'on s'approche, bah on savait pas où c'était. Les prix, voilà, il y en a un, je sais plus combien il demandait d'euros de stationnement pour 15 minutes, on s'est dit, ouais, c'est bon, t'abuses mon ref. Et les gens, il y avait beaucoup trop de gens. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens de partout, alors qu'il pleuvait encore une fois. Voilà, on a fait quand même 2-3 trucs pour trouver des petites pièces par-ci par-là, on a pu en trouver une dans une rue avec le mannequin piece dessus. Mais ouais, on s'est dit, dès qu'on peut fuir Bruxelles, on fuit Bruxelles. Et on la fuit pour partir du côté de Waterloo. Waterloo qui était beaucoup plus calme. Là-bas, bah, du coup, c'était 14h, on avait la dalle. Et on avait le choix, par où on arrivait, entre un Burger King et un truc qui s'appelle la frite à papa. Alors que quelqu'un du groupe de Cosplay Belux m'a déconseillé. Là, quand j'en ai parlé, il m'a fait, ah non mec, faut pas les bouffer là-bas et tout. Mais bon, voilà, on n'avait pas le choix. Burger King, on y a bouffé la veille. Donc on s'est dit, voilà, on va tenter quand même un petit truc belge. Ouais, les Belges. Ah ouais, quand on parlait de votre amour des frites, vous avez vraiment un amour des frites. Hein. Alors ça, on peut pas vous le retirer. Hein. Parce que, voilà, moi, en tant que Français, quand j'ai vu la taille des barquettes et tout, je me suis dit, je prends de la grande. Voilà, parce qu'en France, quand tu prends une barquette de frites, t'as l'impression qu'ils prennent une règle et que toutes les frites qui dépassent, ils te les font tomber, voilà, à côté. Ah là, la Belgique, on a été très surpris. Hein. Je vous avoue, on a gaspillé. Voilà, on n'a pas pu tout finir. On s'est retrouvé avec voilà la barquette de frites. Et genre, ils ont pris le panier, ils ont tout jeté dans le plateau comme ça partout. Il y avait des frites qui débordaient de partout, il y en avait de partout. L'ami Mimo, du coup, a pris une fricandelle. Je crois que c'est une fricandelle. Ou une mitraillette. Je sais plus ce qu'il a pris, mais c'est le pain, là. Le pain avec de la viande dedans, il y avait de la salade, il y avait du maïs, je sais pas quoi, et puis... Oh, la quantité de frites qu'il y avait dessus, on le voyait limite, le pain, on le voyait plus, tellement qu'il y avait des frites, c'était bordé de partout, il y en avait plein le plateau et tout. Oh, je vous avoue, la Belgique nous a dégoûté des frites. Voilà, petite anecdote si j'oublie de la dire, mais le dimanche quand on est rentré, ma soeur toute contente, elle fait, ah, je vais voir avec, du coup, bah, vu que vous rentrez avant midi, je vais voir avec notre père pour qu'il puisse prendre un sachet de patates, qu'on puisse éplucher, faire des frites. On s'est fait, non, des pâtes, ça suffira. Des pâtes, ça suffira, parce que là, les frites, on n'en peut plus. La Belgique nous a, les deux repas qu'on a fait en Belgique, je vais pas vous mentir, nous a dégoûté des frites. Il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Et leurs frites, personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan des frites. Moi, les frites, j'aime bien quand c'est moelleux. Voilà, quand ça se mâche, voilà. Là, leurs frites, c'était des chips. Alors, je vais pas vous mentir. Il y a des frites moelleuses. Ça, c'était bien. Voilà, j'étais content. Mais il y en a d'autres, c'était des trucs croquants. Voilà, fallait croquer, fallait... Bon, moi j'appelais ça des frites chips. Voilà, il y avait le petit côté croquant derrière et tout. Et personnellement, je suis pas du tout fan de ça. Moi j'aime bien la bouffe moelleuse. Voilà, la bouffe qui croque pas, qui c'est doux, des machins comme ça. Là, être là, ouais, non. Les chips de base, je suis pas fan pour ce côté là. C'est trop sec. Là, c'était l'entre-deux. Voilà, c'était ni trop sec, ni trop mou. Il y avait quand même un peu de croquant, tout ça, et je suis pas du tout fan de tout ça. C'est pour ça que, par exemple, comme je vous le disais, ma sœur voulait faire des frites maison, parce qu'elle sait que, voilà, les frites en sachet, les frites surgelées, j'aime pas du tout, parce que c'est des trucs qui croquent à la friteuse. Alors que quand on épluche nous-mêmes nos pommes de terre, voilà, qu'on les coupe, qu'on les met dans notre friteuse, avec la durée qu'on veut et tout, c'est des trucs tout mou, tout délicieux, tout ça. Les frites maison, qu'on appelle. Non, pas fan. Donc du coup, on a eu ça. Moi, j'avais pris un burger.
un cheeseburger et mon frère avait pris le plus gros burger qu'il pouvait prendre. Et ce qui était marrant, c'est que lui avait à peine de frites. Voilà, il a réussi à finir son truc, même il se sentit quand même un peu calé sur la fin. Moi, le burger, déjà, a commencé à me caler un peu. Et ensuite, quand j'ai vu la quantité de frites, j'ai mangé un peu ce qui était dans le plateau et sur le dessus, il restait encore la barquette. En gros, j'avais une barquette française qui me restait encore à manger. J'ai fait non, je peux pas y bouffer ça, donc voilà, c'est parti à la poubelle. Parce qu'il n'y avait pas de truc de. Moi, je me suis dit, il y a peut-être un truc à côté de recyclage, machin comme ça, non, même pas, il n'y a pas de bac à déchets alimentaires, autre comme ça, pour voilà, aller faire du compost ou mes couilles, j'en sais rien. Non, vous allez tout rejeter à la poubelle, donc j'ai tout jeté à la poubelle. L'ami, du coup, je touchais lui également, il a réussi à finir le pain avec le truc contenu, tout ça, mais la grosse parquette de frites, il n'a pas pu la finir non plus. Donc on a dû y balancer. Ensuite, on s'est dirigé vers un Burger King pour aller. manger quelque chose de frais parce qu'on était vraiment pas bien, on avait vraiment trop bouffé, donc voilà, on s'est arrêté au Burger King qui avait juste à côté pour se prendre une petite glace, voilà, un petit rafraîchissement pour faire passer tout ça, ensuite on est parti au musée Wellington. Voilà, le musée Wellington. Donc on est resté toute l'après-midi là-bas à discuter avec l'hôtesse. Voilà, on discutait avec elle, on parlait voilà des études qu'il fallait faire pour faire ça. Voilà, on s'est renseigné un peu tout ça. Elle nous a parlé de tout ce qui était à Wellington, Napoléon. Alors on a discuté de la pluie, du beau temps. Voilà, on y est resté une heure et demie, je crois même quasiment 2 heures là-bas à papoter avec elle tout ça. Et après on a repris la route pour s'arrêter à un petit snack qu'on m'a conseillé. Voilà, on m'a conseillé un petit snack à essayer. Du côté du sud de la Belgique, j'ai pas le nom. là, j'ai pas le nom qui me vient en tête, mais voilà, la personne m'avait envoyé le ce qu'on pouvait trouver en bouffe, l'adresse, les horaires, tout ça. Du moins, non, on m'avait dit le nom et c'est moi qui avais été faire les recherches derrière pour le tester. Voilà, pour voir si cette personne-là, ça me conseillait tout ça. Si... En vrai, c'était plutôt bon. Voilà, je peux pas vous mentir, c'était plutôt bon. Je me suis pris sur ses conseils à elle, un durum. Voilà, à moi et les noms, ça fait 2. Voilà, un petit durum que j'ai pu essayer avec encore une fois des frites. Parce que du coup, je leur ai fait les frites, il y en a pas beaucoup. Elle me fait oui, c'est la quantité d'une personne. Ouais, comme j'ai sorti à la personne, à l'ami, j'ai envie de dire, qui m'a conseillé du coup le snack, je lui ai dit les Belges, vous avez quelque chose qui s'appelle un estomac ou vous avez tout relié directement à votre côlon? Parce que là, la quantité de frites que vous bouffez en normal, ah ouais, vous y allez. j'adore les frites, hein, comme je vous dis, voilà, les frites maison, les frites bien moelleux, machin comme ça, je peux en bouffer sur la tête d'un galeux, comme on dit. Mais là, ce style de frites-là, je suis vraiment pas fan. Avec modération. Après voilà, vu qu'on en a bouffé max le midi, le soir, ça fait vraiment beaucoup redite. Peut-être que le soir, il y a une bonne quantité, parce qu'il y en a moins. Voilà, je vais pas vous mentir, il y en a quand même moins, mais il y en a quand même une bonne grosse quantité. Voilà, à voir. Peut-être qu'un jour, si j'y retourne, à réessayer sans avoir bouffé ma grand-mère le midi, à voir, voilà, c'est au cas où il y a la possibilité de finir là. Mais voilà. C'était plutôt bon, je vais pas vous mentir, c'était plutôt bon, j'ai plutôt bien aimé. Même s'il y avait un morceau bizarre de viande très dur dans le durum. Bon, je l'ai pris, je l'ai jeté, hein. Je l'ai quand même fini. Mais voilà. Merci Kaozu, si tu regardes cette vidéo là, tu passes par là. Merci à toi pour le petit conseil. Je sais que je t'avais envoyé en MP notre petit avis à chacun, à tous les trois. Mais voilà. Moi, ça me dérangerait pas si je remonte en Belgique et tout, d'aller manger là-bas encore une fois et puis tester peut-être autre chose, je sais pas, même si je suis pas quelqu'un qui aime tester les nouveautés. Voilà. Avec cette personne-là, on sait pas. c'est un jour je remonte en Belgique pour voir cette personne-là, voir les autres. Bref, et du coup, après on est rentré et on est parti directement se coucher du coup dans un nouveau Airbnb, ouais, c'est ça, qui était à Caudry, qui était le meilleur des trois. Voilà, on s'est mis d'accord avec mon frère et tout, une fois qu'on a fait le dernier de la nuit du samedi au dimanche, on s'est dit voilà, le meilleur c'était celui-là. Très cosy, très truc, on s'est dit à deux, il est parfait, voilà, deux personnes, le petit Airbnb de Caudry, il est parfait à deux personnes. Il y a un petit canapé, une petite table de salon, une petite table à manger bien cosy, voilà, le petit lit dans une chambre très étroite, mais en vrai pour voilà, juste dormir c'est parfait. La petite salle de bain, il y avait une petite gazinière, machin comme ça, mais bon, vu qu'on bouffait dehors, on n'a rien utilisé. Mais voilà, en vrai très cosy ce petit appart, dans le centre-ville, en plus très calme, il y a une petite balcon voilà pour qu'il montre un peu sur la place et tout, franchement très propre. Propre. Rien à dire sur ce Airbnb là. Le lendemain, on s'est réveillé à 8-9 heures aussi, on a pris direction Paris.
Voilà, on est parti du côté de Villepinte, tout ça. Donc on s'arrêtait à des centres commerciaux parce que là mon frère voulait regarder des chaussures de nouveau qu'il a vu en Belgique. Voilà, dans les magasins qu'on a fait en Belgique, il a vu une paire de chaussures, sauf que son compte client français ne fonctionne pas en Belgique. Pareil pour Burger King, si on a un compte client français, il ne fonctionne pas en Belgique. Voilà, je comprends pas le délire, ça reste la même firme et tout, donc je comprends pas pourquoi on peut pas avoir les mêmes offres, mais bon, voilà, on va pas se poser de questions de plus que cela. Mais bref, du coup, voilà, on s'est arrêté du côté de Paris Nord, je crois que c'est le nom du gros centre commercial. Il y a Paris Nord et il y en a un autre un peu plus loin entre Paris Nord et le salon de l'Expo, là, où il y avait notamment Burger King où on a mangé le midi, il y avait tous les avions de l'aéroport qui passaient au-dessus. Donc voilà, on s'est fait quelques petits magasins, tout ça, et après on est parti à la Japan Expo, et on y arrivait pour 13h30 de mémoire, sachant que le rassemblement RE était à 14h30. Donc voilà, on a commencé à faire un petit tour par-ci par-là. On est surtout passé dans le rayon des tout ce qui est amateur qu'ils avaient appelé de mémoire. Et en gros, c'était alors pas les sites de cul, bien évidemment. non, le petit rayon amateur, c'était tous les artistes amateurs. Donc voilà, des gens qui font des dessins, qui font des petites créations par-ci par-là. Il y avait notamment une personne qui est anglophone, je crois, qui s'appelle Prince Revenant, que je suis depuis des années. J'ai pu passer à la fin de notre tour à Japan Expo sur son stand pour voir un peu ce qu'il avait, tous les tarifs et tout. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai rien trouvé. Alors ces dessins m'intéressaient, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, vu que je suis un peu dans la merde ce mois-ci, je me suis dit mettre 50 euros dans les trois dessins qui me plaisaient. Voilà, je préférais mettre ces 50 euros dans de la bouffe. Voilà, j'ai besoin d'aller faire des courses là, moi, juste après avoir enregistré cette vidéo là, faut que j'aille faire des courses. Voilà, je préférais avoir les 50 euros de côté pour aller me faire des courses pour finir mon mois plutôt que mettre dans des dessins. Voilà, autant s'arrêter des produits physiques, tout ça, j'aurais dit pourquoi pas. Voilà, des petites conneries comme je m'étais trouvé l'année dernière, le sac en tissu, machin comme ça. Ouais, les dessins, j'avoue, voilà, à part ceux par exemple de Christine, que en tant que soutien, en tant que personne que j'aime énormément, ça me dérange pas de prendre. Mais d'autres dessins, voilà, j'ai plus de place sur mes murs, vu que je vous parlais que je vais déménager, je sais pas la place que j'aurai sur les prochains murs et tout, et des dessins, voilà, c'est des trucs que c'est fait pour être exposé, sauf que si t'as pas le droit d'exposer, ça traîne quelque part dans ta pièce et tu peux pas les mettre en valeur, donc je trouve ça triste. Donc c'est pour ça que tout ce qui est dessin et tout, j'évite au maximum maintenant. Je préfère mettre de l'argent dans des petits objets, dans des petites babioles, tout ça que je peux exposer par-ci par-là. Il y a ça, il y avait deux t-shirts, et encore les t-shirts c'est pareil, voilà, les t-shirts, je porte pas les vêtements RE parce que j'ai peur d'y abîmer et tout, pour moi ça fait partie de ma collection, donc pour ma collection je ne veux pas porter les objets au risque d'y abîmer, parce que sinon du coup j'aurai un objet abîmé dans ma collection. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus utilité d'aller acheter des vêtements. J'ai vu qu'il y avait un t-shirt UBCS, j'ai vu qu'il y avait un t-shirt avec une machine à écrire où il était marqué c'est le temps de sauvegarder ou une chose comme ça en anglais dessus. Mais ouais, je me suis dit non. Non, on va rester raisonnable, tout ça. Et du coup, par contre, ça n'a rien à voir avec la Japan Expo, tout ça, mais j'ai pu réinvestir un petit peu d'argent dans un petit objet lié à rester le cosplay Belux, que voilà, pourrait arriver prochainement. Ça s'est fait la veille, le dimanche soir. Voilà, bon, quand je dis, on est lundi matin. Donc le dimanche soir, j'ai pu discuter avec quelqu'un et tout pour avoir un petit objet. Voilà, j'en parlerai plus quand je l'aurai entre les mains, parce qu'il n'y a encore rien de fait de sûr. Mais voilà, j'ai pu du coup mettre le petit peu d'argent que je voulais garder un peu pour la Japan Expo dans cet objet-là à la place, qui me plaira beaucoup mieux. Bref, du coup Japan Expo, tout ça, on s'est visité, on s'est promené, tout ça, on a complètement zappé de prendre un petit gobelet ou un truc comme ça. Donc là j'ai mon petit gobelet de Japan Expo 2023, mais j'ai complètement oublié, zappé, d'aller prendre un petit truc à boire, machin comme ça, pour un gobelet 2024. C'est un peu mon regret. Et du coup, voilà, le petit rassemblement RE. Donc voilà, Japan Expo le samedi, c'est ma deuxième journée préférée des 4 jours. La troisième, je pense que c'est la Belgique, et le premier jour, c'est le dernier jour que je préfère, avec toute la route qu'on a fait. La Belgique en troisième, et du coup, en deuxième, la Japan Expo, et en premier, le jeudi, avec l'ami Wiper et l'ami Xedra. Du coup, voilà, la Japan Expo, donc le rassemblement RE, donc il s'est fait, voilà, au même endroit que l'année dernière. Il y a Chloé Wesker qui est devenue organisatrice, avec William Birkin n'était pas là. Entre temps, voilà, le dimanche, elle est devenue vraiment administratrice du groupe et tout, donc bravo à elle, qui va du coup gérer avec William Birkin les prochains rassemblements où il pourra pas venir comme ça, là, vraiment le rôle d'admin pour gérer la page et tout. Donc on s'est regroupé là, vite fait, et puis du coup, il y avait un groupe de membres de l'USS qui sont partis dehors.
ils sont partis dehors, et du coup, bah, on est tous partis dehors. Sauf que, bah, le problème, c'est que le lieu de rendez-vous, bah, des gens sont arrivés quelques minutes en retard au lieu de rendez-vous, et il n'y avait plus personne, vu qu'on était dehors. Et ceux qui n'ont pas pensé à aller faire un tour, voilà, dehors, à la porte qui avait ouverte juste à côté, bah, les gens sont repartis en mode, bah, le rassemblement RE, bah, il a été annulé, ou il n'y a personne, ou machin comme ça. Sauf que si, on était bien là. Voilà, il y a eu des retours comme quoi, bah, des gens sont passés, mais n'ont pas pu être présents parce que il y avait personne. Donc, voilà, donc on est parti dehors, on a fait des petites photos, tout ça, au cas où je vous en mettrai une à l'écran là pendant que je parle. Voilà, on a fait une petite photo de groupe avec tous les gens qui ont pu être présents les débuts, certains sont partis après tout ça, ils ont fait plein de shooting photos. Je vais en réfléchir. Vous savez que vous pourrez voir certaines des photos. Je vous en mettrai certaines que j'ai pu faire moi, voilà, du shooting que certains ont fait. Mais il y aura beaucoup d'autres photos qui seront mises. Peut-être aller suivre Chloé Wesker si j'y pense. Je vous mettrai son compte Instagram en description. Parce qu'elle, elle en a partagé plusieurs photos, mais je crois qu'elle les a mis en story, ou je sais plus si elle les a mis en post ou pas. Mais voilà, Chloé Wesker, Pierre, vous les contacterez si vous aimeriez voir les photos par vous-même, ou tout ça, ou si moi j'en ai, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de les récupérer. Voilà, plusieurs shooting photos avec les Ada R4 à la fois original et remake, les Léon R4 original et remake, les membres de l'USS, il y avait une Jill et un Wesker R1, il y avait un petit Léon RPD, voilà, qui était un petit débutant et tout, très cool, voilà, très très gentil, tous ces petits personnages, j'ai pu discuter un peu vite avec eux, j'étais un peu moins timide que l'année dernière parce que je peux vous mentir, voilà, la personne qui est la cosplay qui s'appelle Visual Aurélie, qui voilà, j'ai pu parler de temps en temps avec elle sur Instagram, m'a directement mis à l'aise parce que voilà, me parler à moi, elle est venue me faire la bise, tout ça, donc voilà, il y a eu vraiment, ça m'a vraiment mis mieux à l'aise que l'année dernière où je connaissais personne, tout ça, d'avoir quelques personnes que je connaissais, ça m'a vraiment aidé, là où vraiment je pense que j'aurais pu vraiment m'aider, ça aurait été si j'avais eu mon petit Roddy, voilà, mon petit Roddy cosplay, mon petit Greg, lui s'est arrêté là, je pense que voilà, j'aurais été encore plus à l'aise, mais voilà, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être là, que j'espère croiser prochainement, si vraiment ça se fait en septembre, voilà, j'espère vraiment pouvoir le croiser, si ça se fait, voilà, du côté de là-bas, de mon côté et du leur aussi, s'il n'y a pas de trucs de dernière minute, tout ça, on est vraiment sûr de rien à 100%, bref, et voilà, on a fait les photos, tout ça, et ensuite, une heure et demie après, toutes les photos qu'ils ont faites, tout ça, les petites discussions qu'il y a eu par-ci par-là, vaguement, on est parti sur le stand, voilà, la demande de William Birkin sur le stand de Mocky Books pour aller faire une petite photo de groupe avec Bruno Roca. Voilà, donc c'est la personne qui a écrit Génération Resident Evil. Donc j'ai pu le croiser l'année dernière vite fait, je n'avais pas mon bouquin cette année, voilà, je ne savais pas s'il y était ou pas, donc dans le doute j'ai pas pris mon bouquin et du coup il y était. Donc voilà, ça fait, comme je lui ai dit, voilà, j'ai pu discuter vite avec lui, je dis ça fait 2 ans que je viens, ça fait 2 ans que j'oublie mon bouquin. Lui il m'a dit qu'ils ont fait exprès de pas en mettre sur le stand parce que voilà, le bouquin n'est plus à jour et ils ne veulent pas que quelqu'un l'achète en disant bah tiens c'est le dernier bouquin qui est sorti et tout, donc il est à jour tout ça et qu'il ne l'est pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de réédition tout ça. C'est ce côté là, voilà, que le bouquin n'est pas à jour. Et du coup voilà, il n'en avait pas à faire signer sur le stand, sinon j'en aurais acheté un, hein, pour le faire signer. Et mais bref, voilà, j'ai pas pu. Il y avait le Silent Hill par contre. Je crois avoir vu le Silent Hill, mais. Il y avait trop de monde. là aussi, il y avait trop de monde et tout, donc voilà, j'ai pas cherché plus loin. J'ai juste demandé s'il y avait un héros, il m'a dit non, j'ai fait ok. Donc on a fait une petite photo de groupe. Le seul truc que j'ai pas, que la photo de groupe, c'est que du coup j'étais pas cosplayé, donc du coup les cosplayers se sont surtout mis autour de lui. Moi j'étais du coup bah, un peu à sa gauche. Et ce que j'avais peur, c'est que via les angles de vue, j'ai peur de ne pas apparaître sur les photos. J'espère quand même qu'ils vont m'inclure dedans, via les retouches machin comme ça, parce que ce qu'il y a, c'est que le rassemblement, ils mettent bien que c'est pour les cosplayers, mais aussi pour les gens qui aiment la licence et tout, mais j'ai l'impression que quand t'es pas cosplayer, t'es un peu mis à l'écart. Je l'ai ressenti un peu comme ça, à part par exemple, comme je disais, avec Visual Aurélie et tout, mais en gros, quand t'es pas cosplayer, je me sens un peu mis à l'écart, et que pour la photo de groupe, où du coup, vu que j'étais le seul pas cosplayer, bah du coup, Chloé Wesker m'a dit, bah viens, tu seras ma victime, comme l'année dernière, viens, tu seras ma victime, vu que t'es en civil, mais ce qu'il y a, c'est que je réagis sur ça, parce qu'il y avait une personne, je crois qui est sur un des Discord des heureux que je suis, je lui ai demandé si c'était elle, mais elle m'a pas répondu, qui du coup, était un peu à l'écart.
Voilà, parce qu'elle voyait que les cosplayers faisaient des délires entre eux, faisaient des photos entre eux, qu'ils discutaient entre eux, machin comme ça. Elle voyait ça et je pense qu'elle a pas osé du coup s'approcher et venir nous parler. Parce que elle s'est dit, bah tiens, c'est un rassemblement surtout de cosplayers et tout. Moi j'ai juste mon petit t-shirt R4 remake qui vient de Uniqlo. Voilà, j'ai pas de truc spécial en plus et tout. Je voyais qu'elle me regardait moi assez souvent, donc est-ce qu'elle m'a reconnu? Parce que voilà, on avait discuté quand même sur le Discord en question, elle savait, elle sait que j'ai des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, machin comme ça. Donc elle s'est peut-être dit, merde, il est là et tout, est-ce que je peux quand même aller lui parler, truc comme ça. En vrai, elle serait venue me parler, moi, avec grand plaisir. Hein. Je la regardais parfois, je me suis dit, est-ce que c'est elle ou pas? Sauf que, ben, via ma timidité, je pense à la timidité, on a pas osé se parler, c'est pour ça que je lui ai envoyé un message sur Discord, lui dire, est-ce que c'est toi? Mais elle m'a pas répondu sur le coup, et juste après, je crois qu'elle m'a aussi envoyé des messages, des smileys qui pleurent, un truc comme ça, donc c'est sûrement elle. Mais bref, voilà, c'est pour ça que je trouve ça un peu triste, c'est qu'en fait, le rassemblement RE, comme ils le disent, c'est pour tout le monde, il n'y a pas vraiment forcément uniquement les cosplayers, c'est pour les gens qui aiment bien la licence et tout. Comme ils le mettent, tant qu'il y a une bonne ambiance, tout ça, c'est le plus important. Et moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait le rassemblement RE de Japan Expo est vu pour un rassemblement de cosplayers. Je pense qu'il est mal vendu, le rassemblement. Je pense vraiment qu'il est mal vendu. Parce que sur toutes les photos qu'ils mettent en avant, machin comme ça, c'est surtout les photos avec les cosplayers. Donc les gens doivent se dire, bah, c'est un rassemblement de cosplayers. Ceux qui lisent pas, ils doivent se dire, c'est un rassemblement de cosplayers. Voilà, donc je pense qu'il faudrait peut-être voir avec eux, faudrait que je vois pour essayer de capter Chloé et Oscar, lui en parler et tout, lui dire, voilà, d'essayer de trouver un moyen de vendre un peu plus le truc, de mettre des photos, ou s'il y a des années où il y a eu des gens un peu plus en civil, un peu comme moi l'année dernière et cette année, voir s'il n'y a pas la possibilité, voilà, d'être un peu plus vendeur. Moi l'année prochaine, je sais que si je peux y retourner autre comme ça, je vais essayer de mettre un petit coup de promo de mon côté, parce que voilà, l'année dernière je connaissais pas trop, là cette année je me suis dit, oh, il y a quand même un peu de promo autour et tout, via Chloé et Oscar qui en parlait sur ses réseaux et tout, mais je me suis dit, voilà, quand j'ai vu comment on était, qu'on n'était pas si nombreux que ça, que beaucoup ont loupé le rassemblement héros, tout ça, et que certains venaient pas parce qu'ils se sont dit, bah tiens, c'est un rassemblement de cosplayers, tout ça, c'est pas fait pour ceux, les lambda qui sont juste habillés normalement et tout, pour les photos, ça va faire bizarre et tout. Voilà, c'est un peu le truc qui me gênait. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai posé la question, j'ai dit, vous faites une photo au cosplayer, mais est-ce que je peux me rejoindre toi? Elle m'a fait, oui, bah viens, au pire tu seras ma victime et tout. Voilà, j'ai quand même posé la question parce que je me suis dit, voilà, quand je les voyais parler en mode, ah bah les Léons se placent là, les machins passent ça et tout, moi j'étais en mode, le civil, la personne non cosplayée, elle se place où? Au milieu. Voilà. De ce côté-là, c'était un peu problématique, je trouve, voilà. Encore une fois, il faut que je lui en parle à elle directement, je vous en parle là à vous. Parce que voilà, comme je vous dis, moi je vous parle de ce qui me passe en tête et ça m'est passé en tête. Mais voilà, il faut que je vois avec eux. Et du coup, voilà, donc on a fait les trucs et tout, on a fait photo de Bruno Record, et puis d'un coup, voilà, tout le monde s'est dispersé. Il y en a qui sont partis entre temps parce qu'ils avaient sur leur propre stand, soit ils avaient voilà, des horaires, ils ne pouvaient pas rester tout le long l'heure et demie qu'on est resté avec le groupe de cosplayers. Donc on a fait ça, et bah après vite fait avec l'ami du coup, parce que mon frère lui est parti à la voiture parce qu'il se sentait pas bien, avec l'ami, donc Mimo, lui il a pu se trouver des trucs, moi je voulais voir du coup le stand de Prince Revenant qu'on a été faire, et entre temps bah, voilà, je voulais aller voir Resident Cosplay Production, voilà deux personnes que j'avais rencontrées l'année dernière qui étaient là cette année sur les 4 jours, mais les 3 jours ils étaient sur du cosplay RE, et le samedi, donc le seul jour du rassemblement RE, ils étaient bah, un rassemblement Tekken, donc ils étaient cosplay en Tekken, mais moi voilà, le plus important c'était de les voir, voilà, de pouvoir de nouveau les revoir IRL, donc voilà, c'était très cool, on s'est cherché et tout, parce que je connais pas du tout le truc, la Japan Expo je connais pas du tout, donc oui c'était dans la cour intérieure, moi je faisais que la cour extérieure, je trouvais pas la cour intérieure, parce que je trouvais pas de plan. Ça aussi c'est mal branlé, il n'y a pas des plantes partout j'ai l'impression. Du coup on s'est donné un peu de rendez-vous, eux qui avaient l'air d'être connaître un peu plus, ils sont venus. Et voilà que j'avais appris la veille, et puis du coup le matin, il y avait Denat, voilà, qui était présent. Voilà, Denat, que je vous ai parlé au début de vidéo, que j'ai fait la vidéo RSL 1.5. Il était présent avec eux, voilà, parce qu'ils se connaissent bien. Et bah du coup j'ai pu faire la rencontre IRL de Denat également. Donc c'est très cool de pouvoir parler avec lui vite fait un moment IRL. On a parlé voilà de la vidéo qui venait de sortir, que j'ai pu sortir le matin avant d'aller à la convention, voilà, que je l'avais planifié la semaine d'avant, bah, je voulais pour le dimanche, mais je me suis dit, pff, voilà, on va la mettre le samedi, comme ça, voilà, ça va aller une petite vidéo le samedi, vu qu'il n'y a rien eu depuis quasiment une semaine, et voilà, j'ai pu le croiser là-bas, j'ai pu discuter bah, avec Restyle Cosplay Production, donc avec Audrey et Louis, et j'ai pu discuter avec Denat également, et puis du coup, il y avait une quatrième personne également. Alors la quatrième personne, je suis vraiment désolé, je n'ai pas entendu si elle s'est dit qu'elle était et tout, j'ai vu qu'elle avait un petit shirt umbrella, donc j'étais très content, mais
Je suis désolé si c'est quelqu'un que je connais, je suis vraiment désolé, mais je ne l'ai pas reconnu. Et voilà, je lui ai dit bonjour par respect et tout. Quand j'ai demandé à faire une photo, voilà, pour qu'on se croise, je lui ai quand même dit de venir. Voilà, je me suis pas dit, j'avais pas me dire, bon, toi tu dégages, je sais pas qui t'es. Voilà, je me suis dit, bah, viens, t'as quand même un petit shirt umbrella et tout, c'est cool. Donc voilà, donc on a fait une petite photo à 4, que je vous mettrai peut-être. Je vous la mettrai, je pense. Une petite photo à 4 où, voilà, du coup, il y a Denat, Audrey et Louis en cosplay Tekken, la personne avec son t-shirt umbrella et moi. Voilà, on s'est fait une petite pause, voilà, pour la photo, pour le fun. De base, moi, je m'attendais à faire une photo comme je fais d'habitude avec, voilà, en position bien droite, les mains devant le corps et tout. Là, voilà, j'ai vu qu'il y avait une position, je me fais allez. J'ai plié les genoux, j'ai mis les poings, voilà, et on a fait cette petite photo. Donc, je suis très content d'avoir cette photo-là également avec Restez le cosplay production. Et Denat, donc Denat, voilà, comme je vous l'ai dit avec la vidéo 1.5, et Hero Cosplay Production, du coup, qui, liés aux archives Restez le Biohazard, ont beaucoup de liens, parce que, via le drama album, de Metal Raccoon City Volume 2, Audrey participe, Ah voilà, Audrey participe, dans le rôle principal. Et également, ils sont, du coup, on s'est fait un petit système d'espèce de collaboration où, du coup, sur le site web des archives Restez le Biohazard qui a ouvert là le 10 juin, donc très récent, et ben il y a une petite section dans la section bonus qui a été rajoutée qui s'appelle Fan Création. Et voilà, je mettrai en avant, par exemple, Restez Cosplay Production via leur cosplay. Je mettrai 2 ou 3 photos de leur cosplay, par exemple là prochainement de Restez le Zéro. Voilà, des petits cosplays de Restez le Zéro qu'ils ont fait. J'en mettrai 2 ou 3 photos et je mettrai leurs liens. Comme ça, voilà, je les mettrai également en avant sur le site web. Je ferai pareil avec Restez le Cosplay Belux également. Voilà, j'ai eu leur accord aussi, c'est eux qui m'enverront les photos qui voudront que je mette en avant via, voilà, les différents jeux. Donc pour Hero 1 notamment, j'ai eu l'accord de la magnifique Jill Valentine. voilà, de Lara. Donc voilà, du coup, Cosplay Production, voilà, je voulais les voir. Voilà, c'était ma petite priorité de la Japan Expo, de les voir, parce que voilà, de pouvoir les rencontrer de nouveau IRL, parler avec de nouveau IRL, avec voilà notre évolution qu'il y a eu de notre relation d'il y a un an où on se connaissait pas du tout, et puis voilà, on s'est beaucoup parlé par-ci par-là. Je leur ai vendu des petites figurines R4 que j'avais en double, qu'ils avaient pas eux, qu'ils ont le reste des figurines. Donc voilà, on a pu faire ça. Ils ont participé dans un album, ils ont participé au site web. Donc voilà, c'était voilà une pouvoir les revoir IRL, c'était vraiment mon petit objectif de cette Japan Expo. Voilà, j'en avais parlé quand j'avais pris qu'ils étaient à court, qu'ils y allaient et tout. Je me suis dit, faut qu'on se capte. Donc, du coup, voilà, dès que le rassemblement IRL s'est fini, je me suis dit, ligne droite, je cherche où ils sont, je les veux. Du coup, j'ai pu les croiser, discuter et tout, c'était très cool. Même si, voilà, moi de mon côté, on devait vite partir parce qu'on se tapait encore 2 heures de route pour jusqu'à notre prochain Airbnb. Et eux avaient soif, donc voilà, on a pu parler peut-être 5-10 minutes. Et après, voilà, on s'est vite séparés pour aller faire nos chemins de notre côté. Mais voilà, j'espère les recroiser prochainement, peut-être en septembre, j'espère qu'ils seront là. J'espère, voilà, je sais pas s'ils sont prévus ou pas encore. Encore une fois, je sais pas. Mais voilà, j'espère qu'en septembre, je pourrai les croiser si tout se fait comme prévu, encore une fois. Ensuite, du coup, on a pris la route jusqu'à la ville de Sens, S-E-N-S, ou Sens. Voilà, les noms et moi, c'est pas comme vous avez vu tout le long de cette vidéo là, ça fait 2. On a pris un petit Airbnb là-bas qui était vraiment pourri. Je peux vous mentir, voilà, il y a très étroit, c'est dans un immeuble. Voilà, la personne, je sais pas si elle sous-loue son appartement ou pas, mais voilà, c'est dans un immeuble et tout. On a bouffé à Domino's Pizza. Ouais, qui était plutôt pas mal. Ouais, un petit Domino's Pizza. Après, on a été chercher, mon frère et moi, une petite glace, encore une fois, pour faire un petit digestif. Voilà. Ouais, on a un problème de famille. C'est depuis gamin, on a toujours été habitué à manger et à avoir à la fin un petit truc frais, donc soit un yaourt, soit une glace. Et là, bah, pendant tout ce Airbnb là, bah, vu qu'on bougeait et qu'on n'était pas comme l'année dernière où on avait pu acheter des yaourts parce qu'on savait qu'on allait dans les mêmes trucs et tout, on n'allait pas faire de la route entre temps, ça allait pouvoir rester dans le frigo. Là, vu qu'on savait qu'on allait changer d'Airbnb, bah, on n'avait pas acheté de yaourt ou de produits frais pour pas que ça tourne dans la voiture. Et du coup, bah, on se retrouvait à manger le soir, on était là, putain, on n'a pas notre petit digestif, on n'a pas notre petit yaourt, notre petite glace, voilà, notre petit truc de fin de repas. On était là, oh ouais, c'est chiant et tout. Donc c'est pour ça bah, que là on s'est dit putain, il y a un Burger King à côté, on y va, il a 2 minutes en voiture, on y va, on se prend une glace en drive et on rentre la manger. Parfait. Et le soir, bah, ça s'est décidé au dernier moment. On s'est dit bah écoute, demain on a 4 heures de route pour rentrer. Voilà, on a 4 heures de route.
on va se lever à 5h. On s'est dit ça le soir, on s'est dit écoute, on est là dans les Airbnb, il est 20h, on n'a rien à faire, pas de sortie à faire, il y avait une fête foraine, mais on avait pas la flemme d'aller la faire. On s'est dit bah pourquoi pas aller se coucher, on se couche tôt, on dort. Et on se lève à 5h et on part à 5h. On fait les 4 heures de route à 5h du mat. Au moins, c'est à la fraîche. Il y a quasiment personne sur la route. On peut rouler tranquille, pépouze. On fait des arrêts par-ci, par-là, sur les autoroutes. Petit quanti. C'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on s'est tapé les 4 heures de route. On est arrivé chez nous, chez mon père, du coup, à 9h. 9h30, 10h, voilà, parce qu'on a fait quelques pauses entre temps, parce qu'on avait quand même de la fatigue derrière, mon frère, voilà, plusieurs fois, était fatigué et tout, donc on a fait une petite pause. Au bout d'une heure et demie de route, 2h, on s'est arrêté à une arrière d'autoroute, on s'est pris un petit truc à boire, tout ça. Moi, je me suis pris un bon petit cacao goulillon, 2,40€ le petit gobelet, très bon. Moi, j'étais très content, voilà, de mon petit cacao lion. Lui, il s'est pris un cacao basique, je crois. Je crois bien qu'il s'est pris un cacao basique. Et notre ami Bolu, il est resté dans la voiture et tout, il avait pas envie de bouger. Et puis voilà, on a repris la route, on a roulé tranquille, pépouze, on est arrivé hier. Et puis moi, du coup, j'ai demandé à rentrer le jour même. Parce que voilà, j'avais des papiers à faire et tout. Et puis, ça va venir à ce qui va arriver la suite. Voilà, j'avais des choses à faire dans mon appart. Donc je me suis dit, je veux rentrer le plus tôt possible. Donc ça ne dérange pas de rentrer voilà, le soir même. Donc c'est mon père directement qui m'a ramené. Et voilà, qui va. Voilà, ça a marqué du coup la fin de nos vacances. Donc 4 jours de vacances, tout ça. Donc très content. Voilà, je remercie mon frère et Mimo voilà, pour ces 4 petits jours qu'on a passé tous les 4 ensemble. Même si plusieurs fois, voilà, on s'est bouffé le nez. On s'est taquiné, machin comme ça, parce que c'est nos caractères, voilà, on a des caractères assez chauds. Je peux être quelqu'un de très posé, mais voilà, quoi, entre la fatigue ou les machins comme ça, on peut vite monter dans les tours. Je sais qu'avec mon frère, par exemple, quand on est parti du snack que nous a conseillé la personne, on s'est pris un peu la tête parce qu'on s'est dit « Merde, t'as demandé à emporter, mais on mange où ?» J'ai dit, tu veux comment on joue? Il m'a fait, bah t'as qu'à regarder, moi je conduis et tout, t'as qu'à regarder. Et puis voilà, on a commencé à se friter un peu. LOL, friter, Belgique. On a commencé à se friter un peu. Et puis du coup, après, il a fait, bah écoute, il y a l'autoroute là, on mangeant sur une aire d'autoroute. J'ai dit, bah écoute, ok. Et puis voilà, après on allait bien, on s'est reparlé tranquille, plus après. Voilà, c'est notre côté un peu sans chaud, impulsif et toute famille qu'on a. Voilà, je le cache pas, on a ce côté un peu comme ça. Et surtout quand on est fatigué, c'est vraiment le pire. Tant qu'on n'est pas fatigué, voilà, on arrive quand même à se tenir, à se parler tranquillement. Oh, j'ai la dalle. J'ai parlé du cacao à Lyon, ça m'a filé la dalle. Voilà, donc je vais vite couper court. Mais voilà, quand on est un peu fatigué, on est très à bout du rouleau, et on est très vite impulsif tout ça. S'il y a un truc qui se passe pas correctement, ou s'il y a une question qui nous fait chier, machin comme ça, on fait comprendre très clairement, on est très franc sur ce côté-là. Et puis, bah, on fait comme je vous l'ai dit, voilà, il commençait à se sentir un peu pas bien aussi, lui de son côté également. Donc voilà, on est rentré le dimanche, fin des vacances, tout ça, et là du coup bah, on embraye sur voilà le petit sujet que je vais vous évoquer là dans ce journal dans le Chicalo. Je voulais rentrer pour plusieurs raisons, parce que j'ai des papiers à faire, et également parce que il va falloir que je prépare mon déménagement. Voilà, parce que mon contrat se termine fin août, voilà mon contrat de garde d'enfants de mon filleul, tout ça se termine fin août, et voilà, j'ai poser un CV déjà à un McDo de la ville où je compte aller habiter. J'attends qu'ils me recontactent. Là, je vais essayer de voir pour faire d'autres CV ailleurs, parce que voilà, s'ils me disent non, bah je vais me retrouver comme un con. Ou essayer de voir pour les rappeler, voir si je peux avoir au moins une réponse ou une promesse d'embauche. Voilà, il y a derrière un petit papier qui précise bien que voilà, par exemple, à partir de septembre, ils me prennent en période d'essai pour essayer de me faire un CDD ou un genre, on ne sait pas. Voilà, faut que je vois pour les rappeler également, pour voir si au moins la possibilité de faire ça, parce que du coup, il va falloir que je me trouve un appartement et sans boulot derrière. Je sais que beaucoup vont me refuser ou pas me vouloir. Voilà, donc c'est pour ça que là, voilà, je vais préparer. Je sais pas si je peux vous montrer, mais je vous ai montré dans une autre vidéo. J'ai déjà des cartons qui sont commencés à être mis parce que voilà, il va falloir que je prépare tout ça. Moi, j'ai dit à mon propriétaire que j'allais faire tout pour en débarrasser le maximum d'objets d'ici la mi-août. Pour qu'ils puissent faire visiter, parce que moi ça me ferait un peu chier qu'il y ait des gens qui viennent visiter avec la save room comme ça, avec tous les objets étalés, les machins comme ça, je veux pas. Donc je pense que la save room c'est les premiers trucs que je vais emballer, c'est pour ça que tous les cartons sont ici, et c'est pour ça que voilà, je vous le préviens là, vu que je vais devoir prévoir mon déménagement pour un truc comme ça, je vais essayer de vous préparer des petites vidéos à l'avance pour en avoir au moins une par semaine, mais tout ce qui est des vidéos comme ça, voilà, tourner, machin comme ça, ça risque d'être très
rare, peut-être pendant août, voire septembre également en plus. J'essaie de viser des contenus, je vais essayer de vous faire moi un contenu par semaine, donc pour août et septembre. Pour les archives, c'est prêt. C'est quasiment prêt, je crois que je suis là, il manque plus juste à faire du montage, mais c'est quasiment prêt pour avoir au moins une vidéo par semaine pour août, septembre et peut-être même un petit peu de début d'octobre. Concernant le site web des archives, ça y a aucun souci parce que voilà, j'ai rien à tourner, juste à créer des pages et tout, donc si je peux y faire le soir et tout, mon ordi, pff, juste avoir une prise et puis hop, je le branche et internet et basta, je peux faire des pages du site. Donc c'est vraiment zéro souci, mais c'est vraiment les tournages de vidéos et tout que ça va être vraiment très devenir très compliqué parce que voilà, vu que je vais devoir remballer machin, tourner, préparer le déménagement, avoir soit un appart, soit je dois aller vivre temporairement chez mon père le temps que je trouve un appart et tout ça. Donc voilà, c'est des trucs où je pourrais plus tourner de vidéos. Ce que je vais essayer de vous faire, s'il y a de l'actu, ça sera en short. Voilà, ou sinon filmer avec mon téléphone vite fait comme je vous fais ici, mais voilà, vraiment pas de trucs avec du gros montage ou machin comme ça, je sais pas si j'aurai le temps, je sais pas si machin, mais voilà, c'est l'avenir de la chaîne est en pause. Comme je vous dis, je vais au moins essayer de vous faire des petits contenus par-ci par-là, j'ai 2-3 idées de trucs à vous faire, voilà, pour tenir. J'ai une vidéo déjà de prête qui devait sortir en juin, je me suis dit je vais la garder de côté parce qu'il y a déjà eu du beau contenu en juin, donc voilà, je vais la garder de côté pour début août, au moins chaque début, la première semaine d'août j'ai une petite vidéo spéciale à sortir, et après pour reste août et septembre, je vais essayer de vous tourner des trucs là en préparant mes déménagements en même temps pour du coup vous abandonner non plus à 100%. Voilà, après voilà, je me déconnecte pas du monde non plus, hein, donc sur les réseaux sociaux je serai toujours accessible, sur Twitter, Instagram, tout ça, voilà, n'hésitez pas à venir me contacter si vous avez des questions, des machins comme ça, je resterai accessible. Il y a vraiment qu'en termes de vidéos, voilà, que ce sera pas le site web, je vais le continuer, voilà, c'est prévu que le site web lui prend continue. Comme je dis, voilà, que j'ai un nouvel appart ou chez mon père, il suffit d'une connexion internet et d'une prise, je branche tout et pouf, je peux continuer à faire du contenu sur le site et tout, donc c'est bien, moi je pourrais prendre de l'avance sur le site, voilà, et lui au moins il est pas en pause, c'est vraiment ma priorité. Voilà. Voili voilou pour tout ça. Pour le futur, c'est pour ça que voilà, c'est peut-être une des dernières vidéos vraiment qui se tourne sur l'instant présent, parce que tout le reste que vous allez voir prochainement risque d'être voilà, des contenus qui seront faits majoritairement en avance et qui du coup ne seront pas représentatifs de mon état actuel, de voilà, de ma tête actuelle et tout, concernant voilà, tout ce qui va sortir de ça sur à la fois Ange Calloway et les archives en termes de vidéos. Et vraiment voilà, si vraiment il y a des vidéos à faire, par exemple de l'actu RE vraiment à foison, à ce moment-là je vous ferai une vidéo à l'arrache comme ça avec un téléphone ou voilà, si j'ai la possibilité avec l'ordi, avec la webcam vite fait sans fond vert machin comme ça, je sais pas, ou en short, basiquement en short, voilà, et que je partagerai également sur TikTok également, parce que voilà, TikTok et Instagram, vu que je veux pas recevoir d'objets techniquement, sauf si je trouve des objets par-ci par-là, ça va être aussi ça en pause. On verra bien, voilà, seul l'avenir nous le dira, encore une fois, mais voilà, je voulais vous en prévenir encore une fois, parce que là on arrive à la date butoir, on est à la mi-juillet, moi j'ai dit que dans un mois, mon propriétaire, faut qu'il puisse pouvoir faire des visites pour commencer à louer dès septembre, je lui ai dit que voilà, je m'engageais à faire ça, donc je veux m'engager à faire ça, et je veux que ça soit fait, donc voilà, on verra bien. Une grosse vidéo, voilà, un gros journal d'Ange Calloway d'une heure, mais voilà, je voulais revenir sur mes vacances et évoquer ce côté-là, déménagement et tout, que voilà, je voulais vous en parler, encore une fois, parce que je sais que le format journal d'Ange Calloway, il y a un format que les gens, voilà, sont assez intéressés à, pour en apprendre plus un peu sur moi, et puis voilà, mon instant présent et tout, donc aussi, voilà, j'ai évoqué pendant la vidéo disant que j'allais déménager, j'en ai parlé 2 ou 3 fois, je crois, dans des infos et rumeurs, mais voilà, pour ceux qui avaient loupé l'information, voilà, je vais devoir déménager prochainement, et j'ai l'espoir d'essayer de trouver une save room un peu plus grande, voilà, c'est ce que je regarde surtout, là, je commence à regarder un peu les appartements, tout ça, j'essaie de regarder tout ça, mais sans savoir, voilà, une paye ou machin comme ça, c'est assez compliqué à regarder. Mais voilà, mon objectif, moi, à terme, c'est d'avoir une save room beaucoup plus grande et pouvoir exposer beaucoup plus de trucs, parce que, comme vous voyez, on arrive vite à fond, sachant que, voilà, je vais pas vous mentir, on est maintenant quasiment 900 objets, avec tout ce que j'ai reçu dernièrement, voilà, on a quasiment 900 objets, je crois qu'on a 886, voilà, j'aurais jamais pensé en avoir autant, là, pour emballer, ça va être amusant, emballer les 886 objets, mais c'est les règles, voilà, voili voilou. Concernant moi, bah sinon je vais plutôt bien, voilà, ça m'a fait du bien un peu de me ressourcer, faire ses vacances, aller voir du monde, aller voir mon petit babe, mon ex-exé, ma petite visuelle Aurélie, et puis bah du coup rester le cosplay production et des nattes, voilà, voir ses personnages IRL, ça fait très plaisir de, voilà, de pouvoir enfin les voir revoir. Et puis voilà, ça, même si la route c'était chiant, en vrai, voilà, j'ai pu
penser à autre chose, voir autre chose. Par contre, je vais vous mentir, hein. Dès que mon père m'a posé hier le dimanche à 17h, je suis parti directement créer des pages sur le site. Hein. Ah ça, je suis parti directement créer des pages sur le site. Et là, ce matin, c'est pour ça que j'enregistre à 11h, je me suis levé à 8h30, 9h à peu près. J'ai pris ma douche et je suis parti directement faire le montage de la nuit 3 du drama album. Voilà, dès que je suis revenu, par contre, j'étais sur la starting block pour reprendre directement où j'avais laissé tous les trucs en pause. Voilà, parce que voilà, c'est le truc et ça, je vais pas vous mentir, ça me chafouinait un peu de me dire ah putain, il y a les pages objets du site que j'ai pas pu terminer, j'ai à peine commencé. Ah, il y a le drama album, la nuit 3, il y a tous les trucs qui ont été écoutés par Latix, mais le montage n'est pas fait, les trucs comme ça, c'est pas fait et tout, donc il y en a besoin. J'ai acheté, ah, c'est le truc qui me faisait un peu chier et tout, c'est pour ça que quand je suis revenu, je me suis fait focus là-dessus. Là, normalement, il me reste que la nuit 4 à faire le montage des audios et ensuite l'envoyer à la TX. Et une fois qu'il a son retour, à faire le montage de l'épisode, et hop, la nuit 4 sera faite. Et du coup, le drama album volume 2 sera fini. Le volume 3, il sera pour. Voilà, je le garde, je donne pas de date. Ça sera pour fin d'année ou voilà, peut-être début 2025. Je sais pas comment ça va se goupiller ma fin d'année. Si j'arrive à trouver un appart assez rapidement, bah voilà, je pourrais faire le montage, ça sera nickel. Mais sinon, voilà, c'est en pause pour le volume 3. Je donnerai pas de date pour pas me stresser. Donc voilà. Et le site web. Voilà, les pages sont rajoutées au compte-goutte. Voilà, les petites pages sont rajoutées au compte-goutte concernant le site web. Je mets des actus de temps en temps. Il y a le Discord des archives de Bayou Hazard, si vous voulez le rejoindre pour voilà, de temps en temps, je mets des actus là-bas. Si vous êtes intéressé par le rejoindre, il y a le lien directement sur le site web. Le site web, si vous voulez le lien, il y a le lien dans mon Linktree en description et sinon sur la page principale d'Angelo et des archives de Bayou Hazard sur YouTube. Vous pouvez voir voilà Angelo machin et vous avez le lien du site web qui est directement cliqué et mis en avant. Si vous êtes intéressé, voilà, d'aller faire un petit tour sur le site web. Voilà, qui est mon petit bébé de l'amour, voilà, mon petit chouchou, mon petit projet de cœur, mon petit, voilà, pour les 10 ans, lancer le site web, c'était, pour moi, je pense que c'était le meilleur moment. Voilà, ça fait 10 ans que je fais de la création de contenu, ça fait 2 ans que je fais les archives aérobio, ça fait 2 ans qu'un site web me titille le trou de balle, et là, voilà, je me suis dit, on y va, on se lance en avant gangan, et je remercierai jamais assez Raptar de l'aide qu'elle m'a apportée pour le projet. Voilà, donc, Raptar, qui a assuré cette vidéo-là. Merci beaucoup et merci du coup à mon équipe également des archivistes voilà pour leur aide sur le projet sur les recherches et des choses comme ça pour leur aide voilà pour les let's play tout ça et merci à tous ceux qui participent au drama album pour prêter leur voix aux personnages et également merci du coup aux partenaires du site partenaires slash collaborateurs donc ceux qui m'ont autorisé à partager leur contenu dessus donc je vous ai parlé de Restez le Cosplay Production de Restez le Cosplay Bellux mais on a également ma petite Christine Hart voilà qui m'a autorisé à quand j'aurai des pages à faire fin de création liées par exemple à RE4 Remake, et ben je pourrais mettre ces dessins de RE4 Remake voilà, dans les pages fin de création en tant que collaboration. Voilà, je suis très content de pouvoir mettre en avant ces personnes-là, toutes ces personnes que je vous ai citées là. Voilà, je suis très content de pouvoir les mettre en avant via le site web et via mes contenus. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Voilà, je sais même plus comment je faisais les journaux d'Angelo. Je crois bien qu'il y avait un petit truc comme quoi voilà, j'ai un petit. Voilà, on s'en fout, on est là pour passer un bon temps, on est déjà à 1 heure de vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. On se retrouve pour une prochaine vidéo, tout ça. Qui sera je ne sais pas quand, bien évidemment. Ça sera les surprises du chef. Ciao! Et du coup, bah, fin de l'enregistrement du journal d'Angelo numéro 24.